ហើយស្នាមញញឹមនៃប្រជាជាតិខ្មែរពុពេញដោយប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ហើយភាពលំបាកនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទុយពីភាពខ្វះងងឹតនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញ ភាពជាតិនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនេះឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1987ជាសម័យកាលដ៏ខ្មៅងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានសមាគមអន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជំនួយរបស់ខ្លួនស្ទើរគ្រប់តំបន់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការយាយីពីសង្គ្រាមជាង20ឆ្នាំបន្ទាយមានជ័យជាខេត្តមួយជាប់ព្រំដែនថៃដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមយូរជាងគេដែលទើបតែបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1997ហើយចប់សង្គ្រាមជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហួតតាំងទីលំនៅទៅតំបន់នានាក្នុងប្រទេស សម្បត្តិនេះពេលបច្ចុប្បន្នមានគ្រួសារជាច្រើនមានការបែកបាក់ដោយសារសង្គ្រាមនិងដោយសារភាពក្រីក្រដែលជាហេតុជំរុញឲ្យអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយទាំងនោះសម្រេចចិត្តបោះបង់កូនចោលដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានអង្គការក្រៅរដ្ឋបាលតិចតួចដែលជួយកុមារទាំងនោះស្របគ្នានេះដែរសមាគមជួយកុមារកម្ពុជាក៏បានចាប់បដិសន្ធិឡើង សមាគមជួយកុមារកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិបារាំងពីររូបគឺលោកប៉ាទីសានិងដេនីក្រុមកិច្ចសហការជាមួយសមាគមអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសយុវវ័យខ្មែរនៅឆ្នាំ1998មណ្ឌលសិក្សាឡាតាបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារទទួលកុមារចូលរៀននិងស្នាក់នៅដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 50% ដែលមានអាយុលើសពី15ឆ្នាំជាអនក្ខរជន អាស្រ័យហេតុនេះសមាគមជួយកុមារកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការជួយអប់រំដល់ការសិក្សារបស់កុមាររងគ្រោះដោយលើកកម្ពស់វប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេដល់ពេលអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួយពេលអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាកលានុដ្ឋាយិកាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកថត I want to be a lawyer. Now, Pelana, got him junk like your group. And I got him junk like your net and I. Oh, cool. À cette époque, on était parti travailler là-bas, donc on a embauché sa maman. Elle vit et vient tout le temps avec sa maman. Donc un jour, je l'ai demandé, Han, tu vas pas à l'école? Elle dit non. Je commence, non. Je viens donner un coup de main à ma maman. Et, un beau jour, je l'ai demandé, Han, est-ce que tu veux aller à l'école? Oui, je veux aller à l'école. Il y avait des frères et sœurs, Horn, ou pas? Horn, oui, un frère et une sœur. Mais sa maman, elle est vendue. Elle s'est vendue? Oui.
Le jeune Horn, c'est-à-dire qu'il gardait les vaches, enfin il travaillait entre guillemets, il avait quel âge? 8 ans. Horn, il avait 8 ans. Mais il a travaillé avec sa maman depuis 6 ans. Hein, 6 ans bon. Et, parce que. Il n'y a personne, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Donc, il suit tout le temps sa maman. Sa maman, elle ne sait pas lire ni écrire, donc c'est difficile à vivre. Mais c'est malheureusement, sa maman aime beaucoup. Donc, des fois, 6-7 heures matin, elle est déjà saoule. Parce que sa maman, elle est un peu sauvage. Hein. Quand elle boit, ben, elle frappe et tout ça. Donc lui, c'est gros mot aussi, quoi, pour répondre. Et maintenant, je vois qu'il est heureux. Oui. Hein? Chaque fois qu'on arrive ici, ben, on voit qu'il joue avec les enfants. Je suis content pour lui, que maintenant qu'il a trouvé de l'endroit qu'il peut essayer de faire quelque chose de bien pour sa route, quoi, sa vie. Foyer en 1998. Ça, c'est moi. Ça a beaucoup changé. On vit dans une grande famille et il y a toujours des éducateurs qui nous aident à éduquer. C'est-à-dire on a la possibilité pour aller à l'école comme les enfants riches. Au foyer La Tasse actuellement, on a deux pôles, un pôle de protection enfant et un pôle de pédagogie. Et pour la protection enfant, on a des enfants qui habitent au foyer avec le responsable et les cuisiniers et le directeur du centre. Et après, le centre de soutien scolaire, on permet aux élèves du lycée de Claconte pour qu'ils apprennent le cours de soutien gratuitement avec la bonne qualité de l'enseignement et aussi la formation professionnelle. Et c'est bien parce qu'il peut être facile à trouver des travailleurs. Ici, il y a réparation de moteurs, et esthétique et coutier. Pour un pays, ça veut dire est en train de développer l'éducation, c'est très important. Je m'appelle Anaïs, ça fait presque 2 ans que je suis ici. Je suis coordinatrice pour l'AEC Foyer La Taste. Donc d'abord, je tiens à dire que le Cambodge a quand même beaucoup évolué. Ça fait 17 ans que l'association travaille sur place. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées, les routes, même l'éducation au niveau public s'est légèrement améliorée, surtout dans les 2 dernières années. Mais il y a quand même un déficit clair du gouvernement. Et par exemple, au niveau de l'école primaire, même encore aujourd'hui, les professeurs dans les campagnes font payer les élèves pour qu'ils aillent en cours. Ça fait en sorte que ce ne soit que les élèves de classe moyenne qui puissent aller à l'école. Les autres trop pauvres, ils ne peuvent pas accéder à l'école et vont partir soit en Thaïlande avec les parents pour travailler, ou vont travailler à la maison pour aider la famille. Mais du coup, c'est à cause de ça qu'il y a aussi beaucoup d'arrêts scolaires dès le primaire. Donc les programmes que nous, on met en place, ça évite ça. Ça permet d'avoir une vraie école publique et des programmes d'éducation pour tout le monde. Ça permet d'éviter le clivage entre riches et pauvres, riches qui peuvent étudier longtemps et les pauvres qui doivent arrêter tôt. On fait des sondages, on fait des entretiens avec les familles pour voir vraiment ce dont les gens ont besoin. Et ça nous permet de ne pas être à côté de la plaque et de vraiment faire quelque chose qui est utile.
Donc nous, dans la région où on se trouve, le banc de Thaï Minh Chay, on se trouve très proche de la frontière de la Thaïlande. Le problème encore aujourd'hui, malgré la reconstruction du Cambodge et le fait que l'éducation s'améliore, c'est que les gens sont tentés d'aller en Thaïlande pour tenter leur chance. Pourquoi ? Parce qu'au Cambodge, il y a du travail, mais c'est pas si bien payé. Et comme les Cambodgiens vont là-bas la majorité du temps illégalement, ils sont très souvent exploités. Il y en a qui reviennent du coup sans argent parce qu'ils n'ont pas été bien payés, qu'ils ont été malades et ils rentrent. C'est le cas de beaucoup de gens qu'on connaît dans la région. En plus de permettre aux enfants de justement pas tomber dans des trafics, de faire de la prévention au départ en Thaïlande et de leur permettre d'étudier le plus longtemps possible et de choisir un métier, ce qu'on veut aussi, c'est donner une vraie vie d'enfant aux enfants qu'on soutient. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient un peu insouciants et le plus longtemps possible. Donc comme dans d'autres pays où ils ne sont pas obligés de travailler, de se soucier de ces problèmes. Par exemple ici, les enfants, même s'ils aident quotidiennement, ils ont des cours de danse, des cours d'art plastique, ils font des séances de cinéma assez souvent. Donc ça leur permet d'être vraiment des enfants. Des enfants à part entière qui vont à l'école, qui ont une famille, qui ont des activités aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a très peu au Cambodge. On connaît l'histoire des enfants, on connaît leurs parents. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet de garder le contact et d'éviter que les enfants soient des nombres, juste des bénéficiaires de programmes. Quand j'étais petit, j'habitais dans ma famille. Et il y a beaucoup de personnes et ma mère, elle est pauvre. Donc il n'y a pas beaucoup d'argent pour aider moi pour start-up pour l'école. Et donc ma mère
amène moi dans le foyer quand j'étais 7 ans. Et maintenant, j'habite à Siem Reap pour Paul de Brühl School. Foyer La Tasse. I think it is just like the second house for me. I was so happy with my teacher and my friend there. And you know, it is the place that make the student have the chance to get the what is good for them. I have a lot of good memory there. I speak first with the... So how is university? Good? But she wants to continue, right? She doesn't want to stop, everything is good. Et ça va toi les études? Ça se passe bien? T'es à RIS? Oui? C'est normal. C'est normal. Ton père il dit ça tout le temps aussi, Tamada. Oui. Ça va, Tamada? Normal. I start up my business in 2009. My business is a window and door frame that we install, we cut, and then we install for the customer inside. My family really poor. We faced many problems in that time. They asked me to stop it, to help them. But for me, I still like to study. So I come to find what organization that can support me to continue my study. I come to live at Foyer La Tasse that I get the sponsor from my mother, from friend, but I never meet her before. I just can see and see her photo only. She sponsor me to support me during I live in Foyer La Tasse. We don't hopeless, we must hope, and we sing in the future. And we don't hope like that even we stay in the organization, we stay in poor family, but we still have a chance like other rich people. So if you trust yourself and then you make confident work for yourself, you can do everything. C'est la cérémonie du mariage. Je m'appelle Sophie Mbah. Avant, quand je suis entré dans le foyer, ma famille c'est très très pauvre. Parce que mon père et ma maman, ils sont divorcés. Et donc, tous les enfants, ils sont avec ma maman. Et donc, ma maman elle travaille tout seul, donc elle n'a pas assez d'argent. Et donc, après, je vais à la pagode pour vivre avec des bons. Ça, et après, on n'a pas le temps, on n'a pas d'argent pour
aller à l'école comme les autres enfants. Et donc, ma maman, elle a demandé le foyer pour aider, pour aider moi à entrer dans le foyer. Le foyer qui m'a donné la bonne vie. Donc, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le foyer, il n'y a pas moi, c'est comme j'ai ta vie. Voilà, donc profitez bien de la fête et puis félicitations à tous pour vos résultats scolaires. En cours. ពីសិទ្ធិខ្មែរមួយឃ្លាពលថាដើម្បីសាងអនាគតយើងត្រូវតែសិក្សាពីអតីតកាលឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចនេះកុមារដែលជួយឧបត្ថម្ភដោយសមាគមជួយកុមារកម្ពុជាទាំងអស់មិនត្រូវបំភ្លេចអតីតកាលរបស់ពួកគេប្រសិនបើគេចង់ឲ្យមានអនាគតល្អតាមរយៈការបើកទូលាយឲ្យកុមារទទួលបានការអប់រំសេវាសុខភាពនិងវប្បធម៌យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកុមារដែលសមាគមបានជួយរយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងទៅ นึ่งคล้ายที่กำลังจอลกอดอสำคัญขนองกาอาบวดปฏิจิตรนายคลายอายสมคำจับพายอ่อนสัวดำนำอาประลังเมียนประพนรื้อไปยกอ่อนจอแตกแดงระลับปอกเป็ดอ่อนแก่สาวใสของอิสระลังอ่อนตื้อในบ้านอิสระลังอ่อนตื้อสามัยเอลัยเกมันเซอร์
ជាយុំដំបងមានថានាងកែស្រមៃរៀងរាល់រាត្រីចង់បានបងជាគូសង្សារអូននឹងបានសម្រាប់ដូចក្តីប្រាថ្នាជុំបុរៈដូចជាបងនេះធម្មតា